Hop là. Et voilà. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue pour cette soirée tranquillou milou autour de cette belle petite figurine de TRTT. Donc je vous avoue qu'à chaque fois que je me plante un peu dans les noms de ces bestioles-là. Donc je suis super content, comme j'expliquais, d'avoir reçu toutes ces figurines Star Wars, de Star Wars Légion du coup. Et celle-ci a été assez rapide à monter. Je l'ai montée très très rapidement. Et puis du coup, ce soir, on va tranquillement la peindre. Donc je vais utiliser un peu d'aéro, un peu de pinceau. Je vais y aller au feeling. Et puis voilà, si vous avez des questions, il ne faudra surtout pas hésiter. J'espère que la connexion est assez bonne. Ce que je vais faire, c'est que je vais virer quelques petites choses qui peuvent peut-être poser souci pour essayer de fluidifier un petit peu tout ça. On va quitter ça. On va quitter par ici. Et on va quitter par là. Donc merci à tous pour votre soutien de dingue sur Ulule. C'est une campagne juste magique. Donc on a atteint déjà 78 000 euros. Donc vous êtes plus de 1700 contributeurs à me soutenir dans cette petite folie. Un grand big up à Maillard que j'ai rencontré ce week-end avec sa chaîne Réussite Critique et qui a été une rencontre assez ouf. Et ça a été un plaisir de rencontrer ce jeune homme qui est franchement brillant et qui fait de superbes choses. Donc voilà, donc je vais l'intégrer. Donc on espère pouvoir l'intégrer en tant que guest dans notre livre sur l'aspect débutant, parce qu'il m'expliquait un petit peu sa façon de concevoir la figurine et ses projets. Et j'ai tout de suite eu envie de l'intégrer sur l'aspect débutant, parce qu'en gros il montre des méthodes super simples, super limpides sur sa chaîne Réussite Critique, et c'est vrai que c'est très très chouette. Il a fait pas mal de vidéos de jeux de rôle autour de la thématique de son gros succès de jeu de rôle Aventure, et voilà, et c'est vrai que franchement ça a été le petit coup de foot du week-end. Donc big up à lui. Voilà, donc Cannes, ça a été épique, on s'est super éclaté, et du coup là j'avais quand même hâte de reprendre des petits lives avec vous. Un gros big up à tous ceux qui étaient présents aussi pendant le live catastrophique de Cannes, parce que vraiment on avait une connexion assez pérave. Donc bienvenue, et puis aujourd'hui on va essayer de rattraper tout ça. Alors pour info sur Cannes, j'ai peint, hein, j'ai pas chômé. Donc comme vous pouvez le voir, du coup, je me suis pas mal éclaté. Du coup, cette fois, c'est sur les rebelles. Donc je vais essayer de vous le montrer. Je vais peut-être pouvoir vous le montrer d'un peu plus près par ici. Je suis pas sûr que vous voyez bien. Est-ce que ça fait bien le point? Je sais pas. Hop là. Donc franchement, je me suis bien éclaté sur les rebelles. Je vous fais une vidéo très rapidement pour vous montrer un petit peu comment je m'y suis pris dans le détail, mais ça a été assez plaisant, même si ça a été un peu difficile au début. Donc ça, c'est les... À côté de ça, j'ai peint les troopers, donc il y a de ça un petit moment, et je vous fais une... Là, j'ai plus que le montage de la vidéo à faire, mais c'est juste que ça prend un peu de temps. Donc là, on se rend pas compte, mais les figurines sont assez chouettes, et traiter du gris comme ça, très clair, c'était chouette. Et vous pouvez voir actuellement sur la chaîne YouTube en vidéo un peu classique ce petit Dark Vador là que j'ai peint avec amour et passion. Donc, c'était super chouette à peindre. Donc là je vais regarder un petit peu vos commentaires tranquillement. Donc il y a Guldur qui nous dit ah, Maillard un sacré personnage. Et oui Guldur, t'as bien raison, il est vraiment au top. Donc bonsoir Mo, bonsoir à tous. Bonsoir Michael, bonsoir Arnaud. Bonsoir David Herbst, montre-nous ta coupe, ma coupe, quelle coupe exactement, ma coupe de cheveux, attends, voilà ma coupe de cheveux, donc voilà, petite crête, petite barbe, voilà, ma foi, voilà ma coupe de cheveux mon grand, j'espère que ça te plaît de voir ma petite coupe, j'espère que vous entendez bien, que la force soit avec vous. Merci Thierry, ça fait plaisir. Salut à tous en tout cas et bienvenue pour ce live peinture.
Je pense que ce live va durer une petite heure ce soir, tout simplement parce qu'à côté, j'ai des invités avec qui je finirai tranquillement la soirée, sûrement autour d'un petit jeu, une connerie du genre. Merci aux 50 personnes qui sont avec moi ce soir. Demain, il y aura live sur Happy Games Factory. Et vendredi, on vous réserve une petite surprise justement avec Maillard. N'hésitez pas à aller sur sa chaîne Réussite Critique parce que ça vaut le coup d'œil. Ma petite dose de café pour me remettre un petit peu du week-end qui a été vraiment crevant, mais ça a été un plaisir. Je remercie à tous les gens qui sont venus me féliciter pour le livre ce week-end, pour tous les gens qui sont venus jouer aussi. À tous nos petits jeux, à Gnome et Associés, à tous les jeux Happy Games Factory. Ça a été un régal d'être avec vous ce week-end, même si maintenant il va falloir récupérer rapidement parce qu'on a beaucoup de choses qui nous attendent. Donc là, moi, quand je commence tout simplement donc je viens avec mon petit mélange qui est constitué d'eau déminéralisée et de la vitre. Et en fait, ce mélange va me permettre de diluer, de nettoyer mon aéro, enfin, globalement, de à peu près tout faire. Donc, je vais venir avec du Surface Primer Gris de chez Valero. Alors, je le déconseille la plupart du temps. Ici, je vous avoue que je ne vais pas me prendre la tête parce que bon, j'ai envie que ça aille vite et que ça rentre bien. Donc, ça fait des bulles déjà. C'est pas mal. Je vais juste essuyer ça avant que ça me coule sur le coin de la gueule. En tout cas, vraiment, merci à tous. Je vous avoue qu'on ne dort pas beaucoup. On fait que de charbonner. C'est pour ça que j'ai la gueule un peu blafarde. Mais c'est un vrai plaisir et un vrai bonheur d'être avec vous, d'échanger. Et c'est un vrai bonheur de se décarcasser pour toujours trouver des petits paliers sympathiques pour ce projet de livre. On est super fiers de ce qu'on a fait, puisque mine de rien, grâce à l'aide de Mathieu, on... Waouh ! Alors voilà. Vous avez vu une première chose à pas faire. Comme vous faites buller, n'hésitez pas, avant de commencer à faire buller seulement avec de l'eau déminéralisée et du lave-vitre. Parce que comme vous l'avez vu, sinon, ça a tendance à gicler bien haut, bien loin et de façon bien, bien efficace. Donc là, j'ai trop fait buller, tant pis pour moi. Et maintenant, je vais tout simplement commencer à attaquer tout simplement au gris sur toutes mes zones de lumière. Donc là, j'ai sous-couché en noir pour un peu me simplifier la vie, parce que du coup je vais essentiellement passer du gris un peu partout. Donc là, j'y vais très léger, et en gros à l'aéro il faut partir du principe que on va poser finalement des filtres vraiment au fur et à mesure pour tout simplement pour poser nos lumières. N'hésitez pas, les gars, si vous avez des questions, que ce soit sur le livre, sur la peinture à l'aéro, sur ce que vous voulez, vous êtes vraiment, c'est bienvenu, n'hésitez surtout pas. Si vous avez des questions même sur Happy Games Factory, n'hésitez pas, je suis aussi là pour ça. Bref, peu importe vos questions, je suis là pour y répondre et je me ferai une joie de vous d'y répondre. Donc là, vous voyez, on va dire que l'aéro n'est pas dans son état de... Dans son état normal, il est quand même bien, bien encrassé. J'ai pas dû bien nettoyer sur mon dernier, ma dernière utilisation. Donc là, on voit ça, c'est un peu crayeux, mais ma foi, on va avancer comme ça. J'espère que vous avez un bon son, que tout roule. Alors, salut Mohand, c'est moi où la vidéo est pas au top. Ben, Angelis, en fait, je ne sais pas. Eh ben, je sais pas trop quoi te dire. Je t'avoue que là, moi, ça m'affiche un marqueur orange, alors que d'habitude, c'est vert. Donc, oui, effectivement, je me demande si le transfert n'est peut-être pas au top. Mais je vous avoue que je ne vois pas du tout comment améliorer ça. Je vais essayer de voir dans mes paramètres, peut-être. Flux, sortie. Hmm.
Non, je vois pas où est-ce que je pourrais améliorer ça. Si vous avez des idées de choses qui pourraient améliorer la qualité, la fluidité, ben surtout n'hésitez pas, je serai preneur. Je vais peut-être aller couper, je vois pas en quoi ça peut le faire, mais je vais quand même aller couper la connexion à Julie au cas où. Donc là, on va voir si ça améliore un petit peu les choses. Je suis allé couper la connexion à Julie, mais de toute façon, elle est à côté, elle joue. Donc je pense qu'elle s'en fout un peu. Cas, j'espère, sinon je vais me faire engueuler. Et du coup, voilà, je continue tranquillement. Donc là, je continue au gris. Je sens qu'à un moment ou un autre, je vais pas y couper. Je vais devoir cleaner mon aéro, parce que là, je galère déjà, alors que je viens tout juste de commencer. Ça m'apprendra. Donc toujours, toujours, toujours un maximum cleaner son aéro avant de commencer à peindre si possible. Salut Mo, je me tâte à acheter un aéro. Faut-il absolument prendre les gammes R? Alors moi, sincèrement, je conseille vraiment de prendre surtout de la Procolor, même si le nombre de teintes est pas ouf. Ça vous aidera à avoir un aéro vraiment toujours clean. Parce que le gros problème aujourd'hui d'un aéro, c'est surtout que ça a tendance à s'encrasser. Et du coup, je préfère limiter la gamme de peinture que j'utilise. Donc avoir moins de couleurs, mais au moins être sûr que ces couleurs-là n'encrasent pas de trop mon aéro. Parce que sinon, après, je passe plus de temps à le nettoyer qu'à l'utiliser. Alors, l'image est pas mal pixelisée. Ouais, bah, je suis désolé, les amis. Franchement, je vois pas d'où vient le problème. J'essaierai de régler ça, mais. Là comme ça. Donc vous voyez là, hop, j'ai des petits crachats malheureusement. Donc c'est ce que je pensais, mon aéro est quand même un petit peu sale. Ce que je vais faire, c'est qu'avant que ça sèche, si j'y arrive, je vais revenir très légèrement avec, bon là du coup c'est gros, donc je vais venir carrément avec une petite brosse, légèrement humidifiée, hein, comme vous avez vu. D'ailleurs je l'ai pris en bouche, mais là, vaut mieux éviter tant qu'à faire. Parce que c'est quand même assez fat le truc. Et je vais tranquillement frotter. Bon. Ça ne part pas forcément du tac au tac, mais on verra comment régler ça par la suite. Alors, désolé, oula, ça fait un strike. Ouais, de toute façon, c'était dans les figurines de rebelles, forcément. Donc, hop. Hop. Alors, Mohan, tu stream avec quoi, ton Mac? Si oui, quel est ton processeur? Alors là, franchement. Oui, j'ai un aéro double action. Oui, on va financer une belle caméra. Mais en fait, je pense pas que ce soit lié à la caméra parce que d'habitude ça marche assez bien. Mais ces temps-ci, à chaque fois que je stream sur YouTube, j'ai l'impression que le voyant n'est pas au top. Donc après, je me demande vraiment d'où ça vient. J'ai du mal à comprendre en fait que ma connexion puisse d'une manière ou d'une autre être limitée. Donc bon, je vais me renseigner en tout cas pour essayer de faire en sorte que la qualité soit un peu plus au rendez-vous, les enfants. J'en suis désolé. Bon, après, là, la chance qu'on a, c'est qu'on est quand même sur une grande pièce, on va dire. Du coup, ça vous permet de voir qu'en gros, quand même, les étapes doivent être assez visibles de votre côté. Quand même là, la pièce, elle est bien, bien, bien massive. Donc en fait, je suis parti du coup sur une base noire. Et ce qui est pratique, c'est que ça va d'emblée me faire office d'ombrage, tout simplement. Parce que en gros, on va vraiment se servir du fait que la pièce ait été à la base noire pour vraiment préserver certaines zones d'ombre et avoir quelque chose de cool. Merci Marc, concernant le Ulule, ouais, moi aussi je suis super content. Je vous avoue que franchement, je m'attendais vraiment pas à une telle réussite. Je savais que beaucoup de gens m'avaient déjà demandé beaucoup de conseils en peinture et je pense qu'il y avait vraiment un manque, mais j'aurais jamais imaginé que ça aille aussi vite et aussi loin. Donc merci à tous mes soutiens, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Merci à tous les gens qui regardent mes vidéos, à tous les gens qui sont venus voir à Cannes pour me remercier concernant les vidéos et tout ça. Faut vraiment que je prenne le temps de faire plus de selfies avec vous aussi pour tout simplement vous montrer un petit peu que ben on est nombreux à peindre de la figurine, on est nombreux à kiffer et ça touche toutes les catégories d'âge, les catégories professionnelles. Enfin,
Ouais, c'est beau. C'est beau, c'est super chouette et c'est un beau, beau levier de cohésion sociale, hein, comme on dirait. Ça fait plaisir à voir en tout cas. Donc merci à tous ceux qui viennent me voir, qui me font des big ups et qui me mettent des petits messages. Et merci à tous ceux qui sont avec nous ce soir. Hein. Donc on est quand même 67 petits foufous à se faire plaisir et à être présents sur ce live qui fait super plaisir. Donc dès la semaine prochaine, je vais reprendre hein, les lives le mardi. Donc pas de panique de ce côté-là. Évidemment, j'essaierai autant que possible de le faire partout où je suis. Voilà, donc là-dessus, vous inquiétez pas. Hein, c'était juste ponctuel la semaine dernière. Et ben, c'était lié à tout simplement au festival des Jeux de Cannes qui une année encore, a été juste génialissime. Donc là, je cherche mon dévidoir. Donc mon dévidoir, c'est ce qui me permet en gros de cliner mon aéro. Donc là, je le vois pas à côté de moi, donc je vais me lever. Je décris tout ce que je fais. Hein. C'est ça aussi les lives. Donc là, putain, je me demande vraiment où est passé mon dévidoir. Parce que j'ai peut-être mis à la poubelle. Ce qui me ferait chier, parce que ça me forcera à en faire un nouveau. Mais après tout, ça peut me permettre aussi de vous montrer comment je m'y prends pour me faire un dévidoir, ce qui n'est pas déconnant. Allez, soyons fous, je vais vous montrer comment je m'y prends pour faire un dévidoir. Bon, déjà, je vais enlever un petit peu les figurines qui traînent sur mon bureau parce que, au final, je sens qu'elles vont prendre cher. Depuis tout à l'heure, je tape dedans. Et ensuite, je vais vous montrer comment je m'y prends pour faire un dévidoir. Donc, pour faire très simple, un dévidoir, en gros, je vais prendre une bouteille comme cela. Et en gros, je vais pas hésiter. Donc, ça peut être une source d'épin, mais ça peut être n'importe quelle autre bouteille. Et hop, je vais cutter ici, par exemple. Je vais bien faire tout le tour. Et en gros, là, je vais faire un petit trou. Donc, évidemment, on peut aussi s'acheter un dévidoir. Hein. Poup, poup, poup. Ça fait le taf aussi, comme vous pouvez vous en douter. Mais c'est vrai que là, je fais un peu avec les moyens du bord. Les moyennes de bord. Donc, une fois que j'ai fait mon petit opercule, je vais remplir un petit peu de sopalin. Donc, je vais chercher du sopalin tranquillement, du scotch. Alors, du scotch. Où est-ce que je peux trouver du scotch? Alors, le scotch, où est ce joli scotch? Alors, je passe à côté et je reviens tout de suite avec le scotch. Putain, j'ai la chanson de Pokémon, un gros big up d'ailleurs à alors je sais plus qui c'est, mais en ce moment il y a une campagne de burnout qu'ont lancé les dingues de jeu, une campagne mondiale s'il vous plaît. Et du coup c'est assez énorme parce qu'il y a pas mal de gars qui font des super vidéos. Alors voilà comment je m'y prends, excusez-moi, du coup, hop. Donc c'est tout simple. Et ensuite je... Bon, par contre je me la joue MacGyver. Hein. Bon, c'est pas très dangereux, vous pouvez faire ça chez vous. Désolé pour le bruit. Donc, c'est du scotch à la con. Hein. Vous n'avez pas besoin de scotch renforcé comme ça. Hein. N'importe quel scotch marron fera l'affaire. Mais c'est vrai que celui-là, il est costaud. Hein. Ça, c'est pas du scotch de... C'est pas du scotch light. Donc, en fait, en gros, mon dévidoir, c'est tout simple. Maintenant, je vais pouvoir m'en servir pour vider mon excédent. Ici, tout simplement. J'utilise donc mon lave-vitre et mélangé à de l'eau déminéralisée vraiment pour
nettoyer mon aérographe. Merci Marc d'avoir meublé de ouf. Merci à Rêve de Ludique pour avoir proposé un apéro. Ça fait plaisir. Du Jet 27, tout le monde est chaud, ça fait plaisir. Étant nouveau dans. Alors, il y a Christophe Chaudoral qui demande, étant nouveau dans la figue, quel matériel faut-il pour un débutant en peinture? Et merci pour tes vidéos. Ben, avec grand plaisir. Alors, pour débutant en peinture, il faut une bonne lampe, des pinceaux, si possible des Raphaël, mais tu peux te faire la main au début sur des pinceaux peut-être un peu plus bas de gamme. De l'Army Painter, ça peut très bien fonctionner, par exemple. Et enfin de la peinture tout simplement. Donc après tout type de peinture, toutes les peintures sont bienvenues quoi. Donc après c'est un peu à toi de voir lesquelles tu préfères. Ouais, si possible de la lumière blanche. Il y a Matt Stalin qui dit encore des idées de palier ou on va commencer à toucher le soleil. Eh ben j'ai encore des idées de palier. Hein. Franchement, là je suis content du coup comme je le disais que Maillard se joigne à nous parce que on échangeait sur sa façon de. Ce qui me fait plaisir, c'est qu'en gros, on a découvert qu'en gros, moi, je faisais des live peinture, c'est mon dada et tout ça, et ça me plaît. Mais en fait, en parallèle, je fais aussi du jeu de rôle avec les potes parce que bah, ça me permet de décompresser et tout ça. Et ce qui est rigolo, c'est que lui, bah, c'est entre guillemets, c'est aussi l'inverse. C'est-à-dire que lui, bah, il peint aussi pour bah, se faire plaisir, se changer les idées et tout ça, là où moi, je fais du jeu de rôle. Donc c'est bien, on est complémentaires et ça m'a fait très très plaisir. Alors pourquoi le mélange? Alors le mélange, donc la vitre eau déminéralisée, il va être là essentiellement pour bah, tout simplement me permettre de diluer et de nettoyer en gros. Et pourquoi ce mélange? Je dois bien avouer que même moi je n'en sais rien. En gros je pense que c'est lié au fait que la peinture comme ça est carrément. Alors là, je check un petit peu parce que j'ai pas l'impression de cracher beaucoup de peinture, mais là, ça a l'air d'aller mieux. Ouais, ça a l'air d'aller mieux. Donc là, on va voir. Je check toujours un petit peu à côté, puis après, hop, on passe sur la piste. Donc là, c'est pas non plus, on va dire qu'à l'aéro, c'est pas non plus le truc le plus compliqué qui soit, ce que je suis en train de faire, mais bah, ça fait partie aussi des choses à faire et à pratiquer. Par contre, c'est vrai que c'est infernal. Je pense que j'ai dû tomber sur l'aéro le plus pourri que la Terre ait jamais porté. Je suis en train de me tâter en changer. En direct live. Tellement ça me saoule. Je vais peut-être en changer. Attendez-moi, j'arrive dans une minute, les enfants. J'aurais tout changé ce soir. Des gens qui moi je vais carrément ouvrir un aéronef parce que je commence vraiment à avoir marre de trimer avec celui-ci donc voilà on va faire ça propre et bien en espérant que celui-là n'aura pas de petits problèmes donc hop j'enlève la buse alors ouais c'est ça j'aime bien toujours conseiller sur des petits produits comme ça qui payent pas de mine mais qui permettent de se faciliter grandement la vie et la tâche. Et c'est vrai que là-dessus, moi, à chaque fois, dès que je peux, pardon pour le bruit, dès que je peux, je conseille en fait des produits alternatifs. Des produits alternatifs qui permettent un peu à chacun de se dépatouiller avec des moyens pas trop abusés, quoi. C'est vrai que dans un bac à ultrasons, c'est pas mal. Après, moi, ce que j'aime bien dans un. Finalement, quand je pratique l'aéro, c'est avant tout de préserver mes. Préserver en gros mon aéro. C'est-à-dire autant que possible utiliser des peintures qui vont pas trop pourrir ma figurine, tout simplement. Donc là, vous voyez où j'en suis. Je suis quand même pas mal passé au niveau des gris. Donc on a quand même déjà un résultat
qui ressemble à peu près à quelque chose, sachant que je vais continuer en fait à aller à chaque fois dans cette direction. Donc là, je suis même pas sûr que cette caméra soit bien utile, mais bon. Donc là, vous voyez, hein, l'idée, c'est vraiment d'avoir déjà tout dégradé en gris. Je vais refaire une passe à peu près au gris, et ensuite, j'ai commencé à attaquer directement au blanc pour avoir quelque chose de net. Merci Hermite. Donc Hermite qui dit j'en profite pour te remercier pour ton parfum. Merci beaucoup. Beaucoup. Il court le furet. Quelqu'un a une recette de médium qui va bien. Alors là, moi, j'ai pas ça sous le coude, mais j'utilise ma salive. Ça marche bien en médium. Donc Alain Dill qui dit Marc Sogeba, ça fonctionne, mais ce n'est pas si top. Alors le mélange lave-glace et eau déminéralisée, c'est 3 quarts d'eau déminéralisée, 1 quart de lave-glace. Donc voilà pour ceux qui ont envie de s'essayer. Et franchement, ça marche très 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 bien. Moi, j'évite d'utiliser, encore une fois, hein, là c'est exceptionnel, mais globalement, j'évite d'utiliser tout ce qui n'est pas de la peinture procolore dans mon aéro, parce que sinon, ça a tendance à le boucher, et ça, j'aime pas trop ça. Donc là, je reviens un petit peu, là, ouais, vous allez voir que, voilà, théoriquement, ça va aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Beaucoup plus efficace là d'un coup. Donc je vais vraiment plutôt essayer de préserver certaines zones d'ombre. Donc un gros big up aussi du coup à tous les gens que j'ai vu ce week-end, dont French War Game Studio, hein, Eevee. Ça a été un régal de le voir encore ce week-end, qui a couvert l'événement du Festival des Jeux de Cannes. Donc vous pourrez certainement voir sur sa chaîne incessamment sous peu. Évidemment, il y avait merci, un gros big up à tous les gars qui nous ont aidés sur le salon. Frédéric Menli, Berf, Julien aussi, évidemment, Fred, Frédéric Fernandez qui fait tout le temps plein de démos. Évidemment, la meilleure, l'unique Julie. Bref, toute la team, ça a été vraiment un régal de vous avoir. Et ça a été un régal de faire ce salon avec tout le monde. C'est vraiment chouette. Donc là, j'hésite pas, hein, comme vous le voyez, je réinsiste sur les zones que j'ai déjà légèrement couvertes. Mais je réinsiste pour vraiment avoir quelque chose de beaucoup plus clair. Parce qu'il ne faut pas oublier que, à la finale, le résultat doit être plutôt blanc, en fait. On doit vraiment tomber sur quelque chose de très blanc. Alors, Alain dit le Mohan, caméra du bas, trop sombre. Alors, je suis assez d'accord. Je me demande même si je ne vais pas l'enlever, tout simplement, les enfants, parce que je la trouve pas très utile. Donc, je peux vous faire ça sans souci. Bon, après, à la limite, ce que je peux faire, c'est vous enlever celle du bas et zoomer un peu. Je vais vous faire ça proprement. Je pense que ce sera carrément plus simple. Dites-moi si ça vous convient, les amis. Donc là, je viens de passer un petit peu de peinture. Donc directement, je recommence et je décharge de nouveau dans mon petit élément. Donc n'hésitez pas. Donc la campagne Ulule est en cours. Il y a encore pas mal de... J'ai mis une offre, en fait, cette semaine où pour 150 euros, vous venez pour une journée avec moi vous faire former. Comme vous voulez, donc ou vous visitez les locaux et je vous forme, ou tout simplement vous voulez vraiment vous focaliser sur la peinture. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas, ce sera une journée en ma compagnie. Donc je vous promets qu'on ne va pas s'ennuyer. Donc n'hésitez pas, si ça vous chauffe, à venir me rejoindre. Donc là, vraiment, je nettoie l'aéro entre chaque étape pour anticiper le fait d'avoir de gros nettoyages à faire. Ça va être vraiment quelque chose de crucial pour la suite. Merci Xavier Planchon qui dit que cool ton projet Ulule, ça avance grave, je t'en ai pris un. Hein. Ben, merci à toi, c'est grâce à toi et à tous les autres que au fur et à mesure le contenu s'étoffe. On est arrivé quasiment à 10 guests, 250 pages pour ce livre, pour 35 euros. Donc on a 250 pages de conseils, 10 guests, il y a 4 figurines qui sont exclusives.
donc qui ne seront disponibles que sur Ulule. On a une couverture rigide maintenant, une belle couverture avec en plus de quoi protéger tout ça. Donc non, vraiment, je suis hyper satisfait et je suis super fier de cette belle communauté de peintres français qui cherche comme ça à améliorer sa ludothèque, enfin sa bibliothèque avec un nouveau livre de peinture. Et ça, franchement, ça fait super chaud au cœur, quoi. C'est toujours pareil, avant de lancer un projet comme celui-là, on est toujours dans la crainte, dans le doute. Et là, franchement, mes doutes ont été dissipés très rapidement. Et puis maintenant, on est dans la création, on est dans la réflexion sur les prochains paliers qu'on peut vous proposer. Si vous avez des idées, d'ailleurs, n'hésitez pas. En tout cas, on pourra toujours venir puiser dans vos idées à tout moment. Donc là, vous voyez, sur ma base de noir, vraiment, j'hésite pas à bien rehausser. De gris, évidemment. On se rend pas compte, mais là, vraiment, il faut vraiment passer plusieurs couches pour que vraiment on ait un gris suffisamment intense. Là, je charge jamais trop mon aéro, en fait, toujours dans un souci d'avoir quelque chose d'assez fluide et simple à passer. Mais là, je vais commencer à passer à la vitesse supérieure. Merci aux 77 personnes qui sont avec nous ce soir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, il y a Oleb qui dit « Pas inquiet pour le poids final et les frais de port ?» En fait, on a prévu 6 euros de frais de port. Et comme d'habitude, si jamais on voit que ça dépasse, parce que vraiment le sujet, le projet dépasse nos espérances, eh bien, tout simplement, en fait, on compensera en payant de nos poches une partie des frais de port, ce qui est tout à fait normal étant donné l'engouement qu'il y a autour du livre. On partira du principe que ça compensera vu les volumes qu'on va pouvoir imprimer, avec un peu de chance on paiera aussi moins en impression et ça compensera finalement un prix un peu plus élevé au niveau des frais de port. Donc non, on assume totalement, on est beaucoup trop heureux pour vouloir se cantonner, limiter quoi que ce soit. Les paliers vont être maintenant un peu plus espacés potentiellement, selon le type de palier surtout, parce que finalement les paliers doivent nous permettre aussi de financer sans risque les cadeaux supplémentaires. Et du coup, non, je suis extrêmement content de la tournure que ça prend, parce que on a une magnifique, ça prouve encore une fois qu'on a une belle communauté et que ça touche de la peinture sur figurine, touche de plus en plus de monde et que c'est bien un loisir ludique de passionnés qui en veulent et ça fait plaisir. En plus, ce qui est pratique, c'est que vous allez pouvoir découvrir la peinture de figurine à travers ce bouquin. Et en gros, c'est pas un bouquin qui va s'orienter uniquement sur les confirmés, mais bien finalement sur les débutants, les confirmés et ceux qui veulent encore pousser encore plus loin. Donc voilà, j'ai vraiment, vraiment super hâte qu'on arrive à la fin de ce projet et puis qu'on puisse vraiment vous dérouler le tapis rouge pour avoir un bouquin qui vous scotche. Alors, il y a Marc qui dit « Non, on viendra chercher le book à ton studio. » Merci, mais là, ça va être tendu hein, si vous venez tous. On en est quasiment à plus de 1000 personnes qui soutiennent. Alors, autant je prends ça avec plaisir, autant. Après, j'essayerai de voir où est-ce qu'on peut mettre en place peut-être une petite session d'autographe. Ça me fera super plaisir. Donc, il y a Hakim Berkat qui dit « Pourquoi tu mouilles souvent ton pinceau ?» dans la bouche quand tu peins. Donc, alors, quand je peins au pinceau, j'humidifie en fait mon pinceau, tout simplement pour, en fait, il faut savoir que l'eau va, quand on va diluer avec de l'eau, ça va désolidariser le pigment, c'est-à-dire qu'il va avoir une cohésion moindre. Et moi, en fait, tout simplement, en fait, ce que je vise, c'est d'avoir la meilleure cohésion possible en diluant avec de la salive. Parce que en diluant avec de la salive, c'est comme si on ajoutait non pas uniquement de l'eau, mais un petit peu de liant aussi. Donc le liant, c'est ce qui est dans la peinture pour lier les pigments les uns aux autres et faire en sorte qu'une peinture finalement garde sa cohérence malgré le fait qu'elle soit diluée. Donc là, je continue légèrement au gris, même si là, je pense avoir atteint un peu le maximum. Donc, je vais essayer de ne pas trop insister non plus, mais un peu quand même.
Alors, donc il y a Marc qui dit c'est un toc de peintre. Non, pas seulement. Donc Karim. Donc Hakim, j'ai bien vu ta question. Il y a Guldur qui dit. Ah, Guldur, il a posé une question. Donc, Mohand, tu t'es chauffé le poignet pour les dédicaces de sérigraphie. 1393, il va falloir être endurant. C'est sûr. Donc il y a Marc qui dit pourquoi tu mouilles. Donc ça c'était Hakim. Donc Marc Sobanka qui dit oui mais diluer son pinceau devient un toc aussi. Donc il y a Irnintir79 qui dit que lui il est aussi en soirée peinture mais qui repeint sa cave. Les murs de sa cave. Donc j'ai envie de dire franchement courage à toi. T'as dit moi là ce que je fais c'est aussi pas mal du gros œuvre. Hein. Peut-être pas à ton niveau, mais ça envoie quand même pas mal en termes de taille. D'habitude, je peins pas des trucs aussi gros. J'ai même dû un petit peu revoir le setup pour finalement le setup me permette d'avoir un beau visu sur la bête. Quoi. Donc le dessous j'éclaircis mais. Je vais pas vous mentir, je vais pas y passer la soirée non plus hein, sur le dessous, parce que techniquement, on le verra pas des masses. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. Donc là, vous voyez, je suis vraiment. En gros, la sous-couche noire va être encore perceptible, mais pas forcément extrêmement visible, et c'est le but. C'est-à-dire que je pars vraiment pour avoir un TRTT ATRTT vraiment très très blanc quoi en fait tout simplement comme les Stormtroopers avec lesquels il va être déployé mais j'hésite pas à vraiment bien marquer donc là on est sur quelque chose déjà de très gris, très clair et je vais pas hésiter à continuer légèrement par endroit parce qu'en fait du coup merci à tous d'être là encore une fois, merci à tous pour le soutien qui est juste miraculeux, magnifique sur la campagne en cours de Ulule. Un gros big up à Maillard qui va se joindre à nous dans cette aventure pour un article sur ses petites méthodes Sioux pour peindre tout son zombicide dans un temps donné. Encore une fois, le bouquin il a pour but de présenter à tout le monde la peinture, peu importe vos objectifs. Ça peut très bien être de peindre plus vite, de peindre pour finir tout votre zombicide, ou encore d'augmenter en niveau et de peindre des figurines pour des concours, ou encore tout simplement pour se faire plaisir sur un niveau un peu plus élevé. Donc vraiment, le but là-dedans, ça va être de vous accompagner, un peu comme dans un livre dont vous êtes le héros. Certains articles vous renverront depuis la page débutant jusqu'à confirmer, pour vous montrer en fait comment vous pouvez pousser un peu plus loin le détail et encore vous enverrons de nouveau jusqu'à l'aspect sur un niveau encore plus élevé parce que pour moi en gros on peut toujours améliorer une figurine, il suffit de voir un petit peu à quel niveau de peinture on veut s'arrêter, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Donc là on est bien, il me reste un petit peu de gris malgré tout, donc je ne vais pas hésiter. Je ne pense pas avoir totalement collé la partie basse. Donc je vais peut-être en profiter. Je ne sais pas trop comment m'y prendre. Mais ouais, je vais juste le pencher, tout simplement. Donc bienvenue aux nouveaux arrivants. Donc surtout n'hésitez pas à poster vos questions en commentaire pour savoir qu'est-ce que je fous, comment je m'y prends et tout ci et tout ça. Ça me fera toujours plaisir. Il n'y a jamais de questions stupides. Donc surtout, peu importe vos questions, posez-les, on est là pour y répondre. Donc il y a Christophe Chaudrel qui dit avant de peindre, tu regardes des photos avant pour te donner une idée comment la peindre ou c'est au feeling. Alors la plupart du temps, c'est au feeling.
Ici, bon, c'est du Star Wars, je pense qu'on en a tous bouffé des kilotonnes, donc on sait à peu près où aller. Reste que je sais que, par exemple, ensuite, je vais avoir quelques étapes de blanc et je vais commencer ensuite à m'amuser un peu plus au pinceau. Et moi, je vais pas hésiter, par exemple, contrairement aux épisodes de Star Wars où la plupart du temps tout est quand même globalement assez clean. Moi, je vais pas hésiter à vraiment y aller franco, quitte à un peu faire de la micro-peinture, des salissures un petit peu partout sur ce gros méca. Donc voilà, ensuite je vais distinguer certaines zones tout simplement avec quelques encres au pinceau, mais ça viendra par la suite. Marco, que penses-tu des sets de pigments pour les bases de Forge World Mord? Alors moi personnellement, je vous avoue que je trouve que Forge World en gros a tendance à abuser sur les prix. Et du coup, j'aime bien tout simplement aller chercher et récupérer des pigments d'autres gammes comme MIG, AMO, n'importe quelle gamme qui finalement font des pigments qui sont très très bien pour un coût qui est carrément moindre. Et en toute sincérité, il y a une telle gamme de pigments que voilà. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi jusqu'ici, j'utilise de l'eau déminéralisée et du lave-vitre pour faire mon diluant nettoyant. Et là, une fois cette étape passée, donc un godet passé, donc la moitié d'un godet, je vais venir tout simplement nettoyer en passant un godet ou deux godets de mon mélange. Alors, il y a Andy Méran qui dit, tu penses quoi du KS de Batman Chronicle? Ah ben moi, Andy, je trouve que c'est juste épique ce qui leur arrive. Et franchement, je suis super content pour eux. Parce qu'ils réussissent très bien. Mine de rien, Monolith, ils sont français. Et ça fait du bien de voir que voilà, les jeux français, au final, marchent toujours aussi bien. Et se développent toujours aussi bien. Oui, donc il y a Inrit qui dit AK font de super pigments. Effectivement, AK font de super pigments. Mais c'est vrai que la marque. Ben, j'ai tout simplement du mal à la trouver par la suite. Mais c'est vrai qu'ils font des pigments qui sont vraiment pas déconnants pour le coup. Alors. Alors, il y a Stéphane Saulnier qui dit, mis à part le pledge Ulule, combien coûte un cours en ta sublime présence? Alors, tout dépend. Il y a des cours très réguliers qui ont lieu, qui sont des cours qui durent un week-end. Dans ce cas-là, par exemple. En gros, ce que je vais faire, c'est que la plupart du temps, ça va être 130 € les 2 jours avec une figurine fournie. Mais va y avoir 10, va y avoir à peu près 10 personnes qui vont suivre le cours en même temps. Sinon, ensuite, on se met dans un cursus un peu plus hardcore, c'est-à-dire que je vais mettre en place des formations. Et ces formations, elles vont durer. Donc là, je vous laisse juste le temps d'aller récupérer du blanc. Donc ces formations, elles vont durer 6 mois la plupart du temps. Et on va se voir très régulièrement. Et en gros, pendant ces 6 mois, mon objectif, ça va vraiment être de vous faire prendre plusieurs niveaux. Et là, par contre, il faut compter à peu près 45 € de l'heure, voire 50 selon le niveau duquel vous partez. Mais la plupart du temps, c'est 45 € de l'heure. Et sur ces 45 € de l'heure, c'est à peu près au minimum entre 4 et 5 heures la séance, et au minimum une séance par mois, de sorte à ce que vraiment on avance et chacun progresse en fait. Parce que le principe de ces sessions, c'est vraiment de vous accompagner, de vous voir progresser et faire en sorte que vous progressiez. Et pour ce faire, j'ai besoin d'être quand même pas mal là. Je vous lâche la bride, c'est-à-dire que je ne suis pas toujours derrière votre dos. Mais je suis hyper présent pour que vous progressiez, en fait, tout simplement. Très souvent, en fait, on s'étonne du fait que je lâche un peu la bride, mais c'est tout simplement parce que si je suis toujours derrière vous, vous allez finalement faire attention à tout le temps. Et du coup, vous n'allez pas forcément vous lâcher, faire les erreurs que vous feriez en temps normal. Donc là, j'essaie d'être suffisamment présent pour bien guetter que vous ne fassiez pas de bêtises, et suffisamment en retrait et transparent pour que vous soyez à même de faire vos bêtises et explorer pour que je puisse vous corriger. Donc là, je reviens avec du blanc, donc Procolor.
Donc hop, et là je vais commencer à bien rehausser au blanc. Donc je ne sais pas si la caméra est assez fine pour que vous voyez un peu la différence de couleur, mais j'espère que c'est le cas. Là, j'hésite pas à vraiment revenir sur donc dans mes zones de gris hein, pour les dégrader vraiment jusqu'au blanc. La nuance est assez légère, c'est assez léger du coup. J'espère que vous voyez suffisamment bien. Donc bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent en tout cas. Donc on est déjà à 94 personnes sur ce live. Ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Merci à toutes les personnes qui me suivent sur le Ulule. Ça fait extrêmement plaisir de voir qu'un bouquin, un livre sur la peinture sur figurine réussit à lever autant de fonds. Moi qui passe mon temps à entendre que tout ce qui est impression, c'est mort, et tout ça, ben voilà, c'est encore une fois une preuve par A plus B qu'en gros, on aime tous avoir de quoi lire, que ce soit dans les transports, chez soi, aux toilettes. C'est toujours cool d'avoir de quoi bouquiner. Contrairement à ce que on a l'impression d'entendre à longueur de journée. Alors, je vais regarder un petit peu les questions que vous avez, les enfants, parce que ça fait toujours bien plaisir. Donc, il y a quand même 100 personnes en live, ça fait très, très, très plaisir. Désolé, du coup, ça pique un petit peu au niveau du rendu, c'est pas aussi fluide que ce que j'aimerais, mais promis, on va améliorer ça. Alors. Il y a Noxy qui nous dit bonsoir, il y a enfin la possibilité de peindre à nouveau. J'ai découvert tes lives et tes vidéos. Merci à toi pour toutes les informations données et bon courage pour la finalité de ton projet de livre. Eh bien, merci beaucoup Noxy. Ça me fait plaisir d'entendre ce genre de retour parce que c'est exactement les retours qui font extrêmement plaisir aussi, mine de rien, sur les salons et tout ça. Et c'est vraiment typiquement les retours qui me font me dire que ouais, ça mérite, ça fait plaisir et que. Finalement, ah t'es là toi. Je t'avais pas vu passer derrière comme une ombre. Et ça fait super plaisir d'avoir tous ces petits retours qui me confirment que voilà, vous êtes tous super chauds pour peindre des figouses et que ça fait bien 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 plaisir. Donc là, j'hésite pas vraiment, je pousse, je pousse, je pousse les blancs parce que, bref, c'est censé être super blanc ces bestioles-là. Donc j'hésite vraiment pas. Ce que je vais faire ensuite, c'est tout simplement, du coup, je considère ça suffisamment blanc. Je vais revenir en fait avec des encres pour dissocier un peu certaines zones. Mais avant ça, toujours nettoyer son aéro avant de s'arrêter. Alors, la pression de 2,5 bars recommandée. Tout à fait, au niveau de la pression, c'est très 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 bien. On peut monter jusqu'à 3 bars, mais maintenant, franchement, 2 bars 5, c'est parfait. Il y a Marc, toujours, qui dit, moi, si on a atteint 80 000 sur Ulule, te couperas-tu ta petite barbichette? Ah non, j'y tiens beaucoup et je pense que Julie serait pas contente si je faisais ça, donc je vais éviter. Donc, il y a Christophe qui dit, quelles sont les étapes pour peindre une figurine, toujours pour un débutant? Alors, les étapes pour peindre une figurine pour un débutant, finalement, on les respecte un petit peu ce soir, mis à part le fait que j'utilise un aérographe. Mais c'est sous-coucher la figurine, si possible dans la couleur et avec une bombe de la couleur la plus présente sur la figurine.
La deuxième étape va consister à poser les bases sur l'entièreté de cette figurine. Et poser les bases implique, par exemple, si vous avez un barbare en pagne, une fois que vous l'avez sous-couché en couleur chair, vous allez ensuite faire son pagne de la couleur la plus appropriée, donc en marron, par exemple. Ou voilà. Vous allez passer toutes les couleurs de base, donc sur tous les accessoires. Et ensuite, vous n'allez pas hésiter à faire quelques shades, par exemple. C'est des petites encres, comme je vais vous en sortir bientôt, là. Qui vont permettre en fait de distinguer les différentes zones les unes des autres. Donc ça va être vraiment la base pour commencer à peindre une figurine. Il y a Louis Super Squid qui dit sur un ancien live, tu parlais d'un pack de peinture avec l'ivoire et d'autres couleurs. Tu as avancé là-dessus. Alors oui, j'ai avancé là-dessus. Je me suis renseigné auprès de Prince Auguste et je continue à travailler là-dessus parce que j'ai pas trop envie de me planter. Donc voilà, j'attends un petit peu mais ça devrait arriver. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais proposer ce pack certainement dans le cadre d'un ajout pour que vous puissiez prendre cette contribution en plus de vos autres contributions. Il n'y a pas Zergy qui dit salut Mohand et le chat, est-ce que tu penses à mettre des schémas de couleurs un peu génériques en plus de la roue chromatique, ce serait vraiment utile pour moi. C'est une très très bonne idée, Pazergi. Du coup, je vais y réfléchir, mais c'est une excellente idée que tu as là. Benjamin Labouche qui dit bonsoir Mohand, j'ai hâte de recevoir ton livre. Grâce à lui, je te battrai à chaque Golden Demon. Alors ça c'est sûr, puisque du coup j'en fais de moins en moins. Mais par contre, promis, je serai présent et je vais essayer de te mettre la piquette. Je ne crois pas que ce sera aussi facile. Il y a Louis qui dit ah pas mal, j'attendrai alors parce que j'ai tout en Games Workshop et je voulais cet ivoire avec lequel tu éclaircis la majorité des couleurs. J'ai déjà l'idée de deux packs un petit peu orientés et je vais essayer de vous en faire profiter avant la fin du LUL. Mais pour ça, j'ai besoin forcément d'attendre un peu les retours de Valero. De Valero avec lesquels je vais. Certainement bosser pour proposer ces packs. Alors j'arrive tout de suite, je rends juste le bordel derrière moi parce que ça me fait psychoter de voir mes figurines en vrac. C'est le côté des formations professionnelles. Là ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer un pinceau et commencer à vous montrer. Donc là, je vais venir un petit peu au Dark Tone, parce que c'est une couleur assez sombre qui me plaît bien. Et en fait, mon Dark Tone, il va me servir tout simplement à dissocier certaines zones de ma pièce. Comme on va avoir quelque chose qui va être globalement assez clair, je vais dissocier certaines zones pour qu'elles soient un peu plus sombres, pour gagner en lisibilité sur l'ensemble de ma pièce. Hop. Comme je disais, je cherche pas nécessairement à être parfaitement en raccord avec l'univers. Ce que je cherche, c'est avoir une pièce qui me plaise, tout simplement. Et pour ce faire, j'ai besoin d'une meilleure lisibilité. Et je vais réussir à l'obtenir, tout simplement, par exemple, en revenant sur certains spots, comme là, avec cette encre qui va bien tomber dans les creux et qui va me permettre d'avoir des zones assez marquées, comme cela. Là, je peux très bien appliquer ça sur différentes zones. L'idée étant vraiment de faire en sorte que ces zones soient un petit peu plus écrasées, donc m'apporte une meilleure lisibilité d'ensemble. Ici, j'aimerais bien aussi écraser une zone parce que ça me permettrait en fait de dissocier un petit peu cette partie de cette partie de cette partie. Mais c'est vrai que c'est pas évident, on n'a pas envie de trop se mouiller. Ici par exemple, je vais un petit peu plus ombrer cette zone-là. Donc, j'y vais vraiment mollo parce que je tâtonne beaucoup hein, quand je peins.
surtout quand je pense genre de modèle où globalement je dois vraiment voir et tirer une sensation de blanc de l'ensemble. Forcément, c'est plus touchy. Bon, alors, il y a Dory Solman qui dit bonsoir, Morane. Je viens de commencer de jouer à Eden. Alors, tu conseilles quelle faction pour les débutants? Alors, en gros, à Eden, ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'il faut beaucoup se fier au look des figurines pour vraiment essayer de s'orienter sur les figurines dont le look nous plaise le plus. Parce que derrière, toutes les figurines sont assez simples et efficaces à peindre. Je poserai juste un petit veto à ça, une petite nuance et un petit. C'est peut-être les Askari qui demandent un petit peu plus d'expérience. Simplement parce que, en gros, il y a un système d'amélioration supplémentaire qui va vous demander de connaître un petit peu votre ennemi au moment de définir ces améliorations. Donc, la seule différence que je ferai, c'est celle-là. C'est le seul petit élément sur lequel, en fait, vous aurez peut-être à faire attention. Au niveau des Askari, donc. Voilà, donc la pièce, là par exemple, je vais dissocier toute cette zone-là. L'idée, c'est vraiment juste d'avoir des zones légèrement différentes pour vraiment finalement avoir un aspect vraiment distinct et avoir plein de petites zones un petit peu distinctes pour avoir une meilleure lecture de la pièce dans son ensemble. C'est très léger ce que je fais, mais ça a son importance. De toute façon, si on voulait une pièce totalement blanche, hein, le seul moyen de faire, ce serait de se coucher en blanc et ne plus y toucher. Et c'est pas notre but, nous on veut du volume. Là vraiment, je dissocie cette zone, de sorte à ce qu'elle ressorte un peu différemment. Je vais faire pareil en fait sur toute cette zone-là, spécifiquement. Alors, il y a Noxy qui dit, mais de rien, Morand, c'est normal de faire remonter ses commentaires, ça encourage celui qui les donne et nous permet du coup d'avoir plus de contenu. Un cercle infini qui nous tire toujours vers le haut. Eh bien, merci, ça fait plaisir à lire. Effectivement, c'est un cercle vertueux. Et j'espère de toute façon que vous aussi, derrière, vous diffuserez un peu ces conseils, ces avis que je donne aux gens qui vous poseront la question, qui auront besoin de conseils. Et c'est comme ça qu'on avance dans la vie, en fait. Hein, donc, n'hésitez surtout pas. Si vous pouvez conseiller vos proches et les inciter à venir partager un bon moment autour de la peinture sur figurine, ça peut être super cool. Alors, il y a Louis Super Squid qui demande, je me demandais quand tu dilues à la salive, qui est plus cool que l'eau puisqu'elle tient les pigments, est-ce qu'au final, on ferait pas mieux de diluer au médium tant qu'on lèche pas les pinceaux? Oui, tu peux, sauf que le médium, le souci, c'est que ça a une légère tendance quand même à empêcher la peinture de sécher, quoi, je crois. Mais ouais, je pense que peindre au médium, c'est une très bonne idée. Ça peut vous permettre de gagner du temps et surtout de gagner en qualité. Donc, je pense que ça peut être une très bonne idée, effectivement. Je repasse une couche ici, parce que je trouve que ça n'a pas assez décalé le truc. Comme vous voyez, j'enlève aussi l'excédent, ou je le pousse tout du moins, pour vraiment essayer de créer une zone un peu différente. C'est vraiment très léger ce que je fais là, hein. Vous inquiétez pas, c'est normal. En fait, ça évite d'y aller comme un bœuf et au final avoir des choses un peu trop marquées. Donc là, j'hésite pas à venir sur les bords pour encore un peu plus rehausser mes creux. J'ai
j'hésite surtout pas. Parce que ça fonctionne toujours bien comme ça. En fait, c'est le chauffage que vous entendez qui est une espèce de soufflerie. C'est vrai que ça fait un peu de bruit. Et quand ça s'arrête, bizarrement, ça fait du bien. Donc là, j'hésite pas aussi à pousser mon encre dans ces creux-là, dans les espèces d'écoutilles. Ce qui est pas mal, c'est que le bestiau, il est bien à l'échelle quand même, quand on le compare à une figurine à pied, donc c'est assez cool. Je vais aussi me faire plaisir et passer ces encres dans certains creux comme cela. Ça va permettre quand même un petit peu d'avoir du volume sur l'ensemble de la pièce et éviter d'avoir quelque chose de trop plat. Donc là, j'enlève l'excédent et derrière, je reviens hop, avec juste de l'eau pour vraiment pousser dans les creux. Ça me permet d'avoir quelques démarcations, mais que ces démarcations restent tout de même très légères. J'ai pas du tout envie de casser mon aspect très blanc, très clair. Et sur mes petits passages, je peux même revenir avec uniquement de la flotte, de la salive, hein, au choix. Pour vraiment créer quelque chose de plus coolos. Là, je dilue bien l'ensemble et hop. Bon, après, le plus long, c'est de le faire sur toute la pièce, finalement. Parce que ça va faire un paquet d'heures. Donc, il y a Loupio Quentin qui dit « Bon, bah, pendant ton live peinture, je vais monter mes figues, moi. » Oui, bah, t'as bien raison, Quentin. Monte tes figurines. Et merci d'ailleurs, Quentin, de m'avoir aidé à monter quelques figurines aussi pendant nos petites pauses au salon. Ça fait super plaisir. J'espère que t'as bien retrouvé ta chair et tendre. Merci encore à fond pour toute l'aide pendant le salon. Merci aussi évidemment à Pierre Guy pour toute l'aide pendant le salon. Quentin et Pierre Guy qui sont toujours là pour soutenir la team. Ça fait toujours super plaisir les gars. Alors encore un big up et un grand merci à vous parce que vous animez ça de façon génialissime. En plus cette année au final moi j'ai passé plus mon temps à papoter avec tous les gens qui venaient nous voir, nous féliciter qu'à faire des démos. Donc heureusement que vous êtes là la team. Toujours à faire des démos, toujours être présent. D'ailleurs, Quentin, n'hésite pas à nous dire quand est-ce que la campagne en ligne va être de nouveau disponible, puisque j'ai eu quelques demandes dernièrement. Je ne sais pas si elle est disponible ou pas. Donc là, j'ai un peu débordé. Je vais tout de suite revenir pour retrouver l'aspect vraiment très blanc de la zone. Donc vous voyez, c'est vraiment très léger. Et l'objectif, ça ne va pas être forcément dans foot de partout, hein. Ça va vraiment être d'avoir quelque chose de bien dissocier les certaines zones les unes des autres. Donc ça va être très important ici par exemple dans les bouches de ventilation, on peut très bien y aller un peu fort au niveau des encres, c'est jamais un souci. Ici aussi par exemple, c'est jamais un souci non plus. Alors, il y a Dorsalman qui dit « Tu vois une différence entre les encres Army Painter et les Games Workshop ?» Eh ben, malheureusement, j'en vois une grosse. Je déteste les encres Games. J'ai vraiment du mal. Je trouve que au final, elles ne tombent pas suffisamment dans les creux. En séchant, en plus, elles s'estompent. Alors que les encres Army Painter, là, pour le coup, je trouve que c'est vraiment un sans faute. D'ailleurs, je les conseille énormément en salon et tout ça quand les gens me demandent. Je suis vraiment pas fan des encres à la base, puisque effectivement j'étais habitué à celles de Games. Et il faut dire que celles d'Army Painter, du coup, m'ont réconcilié avec les encres, tout simplement. Parce que je trouve qu'elles tombent bien dans les creux.
Elles ont un bel effet assez net quand même en séchant, même si parfois il faut repasser un petit peu. C'est souvent puisqu'on les a un petit peu trop dilués. Hein. Donc non, non, je trouve qu'elles sont vraiment très intéressantes et bah, ça fait du bien tout simplement. Demain, je dois aussi. Donc, comme je disais, du coup, j'ai la chance de peindre vendredi soir, si tout se passe bien, avec Maillard, qui lui utilise aussi les glazes de Games. Donc, bah, je vais me faire un malin plaisir aussi d'aller en choper demain pour m'essayer aussi aux peintures glazes de Games Workshop. Parce que, bah, en fait, on m'en a parlé, on m'en a dit du bien, et du coup, maintenant, j'ai qu'une envie, c'est d'essayer. Alors. Voilà, ça surtout n'oubliez jamais que rien ne remplacera jamais le fait d'essayer. Si vous avez des idées, si vous avez envie d'essayer quelque chose, essayez. Parce que, bah, en gros, si vous essayez pas, ça va être très difficile de se faire sa propre idée. C'est comme un film, hein. C'est bien de regarder les avis sur Allociné, mais à un moment donné, c'est aussi bien d'aller voir le film soi-même pour se faire son propre avis. Parce que c'est très important. Moi, je rappelle toujours, hein, ça va être pareil dans le livre. Je vais beaucoup donner de conseils pour vraiment orienter, faciliter un petit peu les choses. Mais par contre, je reviendrai toujours sur le fait que il ne faut surtout pas hésiter à expérimenter. Ça fait vraiment partie du délire. Et surtout, essayer les choses. Quand bien même ce serait foiré et vraiment à chier, il faut se dire une chose, c'est que si vous n'avez pas essayé, vous ne pourrez jamais savoir le rendu final que ça peut avoir. Donc voilà, le meilleur conseil, hein, le premier et celui qui restera toujours, c'est vraiment de ne pas hésiter à peindre et à essayer des choses. Donc là, j'hésite pas, je passe une encre vraiment complète sur l'ensemble de la zone creuse, tout simplement pour avoir un petit peu plus de contraste, pour avoir quelque chose de plus grisonnant, de plus sombre, pour montrer qu'en gros, cette zone-là, c'est une zone un peu des machines, quoi. Donc, j'hésite pas à bien passer avec mon gris. Donc, il y a Louis Super Squid qui dit la plus grande différence entre les Shade Army Painter et Games Workshop, c'est que les armes sont plus denses, plus collantes. Et aussi, du coup, j'imagine que c'est pour ça qu'elles tombent mieux dans les creux. Oui, certainement. Je n'ai pas fait d'études spécifiques vraiment sur la densité du bordel, mais je sais juste une chose, c'est que bah, quand je les utilise, ça marche mieux en fait. C'est vrai qu'après analyser et savoir expliquer le pourquoi du comment au niveau de la chimie du truc, c'est difficile et je préfère pas m'engager parce que j'y connais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est foutrement plus agréable à utiliser. Donc là. Pour information, j'ai mis un petit peu au feeling les armements, mais je me laisserai l'option et la possibilité en fait de les enlever si jamais je veux en changer pour utiliser d'autres types d'armements, tout simplement. Je vous informe au cas où, parce que j'ai pas encore testé le jeu. Je pense que Julien de French War Game nous fera des vidéos de gameplay. Je ne sais pas où il en est de la peinture de ses figos, mais à mon avis, le connaissant. Il doit pas chômer, il est super fan de l'univers Star Wars, il me semble. Il vit donc, à mon avis, on va voir des vidéos de partie très rapidement. Moi, de mon côté, je vais continuer à vous offrir des vidéos de peinture parce que c'est vraiment sur ce point que je m'éclate le plus. Mais je dis pas non, une partie aussi. Vu que j'ai tout le contenu, on essaiera de se faire plaisir. Peut-être sur la chaîne des dingues de jeu d'ailleurs, je sais pas encore sous quel format, sur cette chaîne, sur une. C'est pas le plus important. Alors, Louis. Alors, Guldur, je demande si ça ne se serait pas comparable à du vernis. Je ne sais pas. Matt Staline qui dit pas du tout de vernis. Ah non, les glazes, en fait, c'est pour faire des glacis. Hein. J'ai appris une chose, d'ailleurs, ce soir, c'est que glaze voulait dire glacis. Encore merci à toi, Maillard, hein, qui. Dans ta grande sagesse, m'apprend des mots en anglais. Donc là, je fais un deuxième passage, tout simplement pour encore un peu plus distinguer certaines zones. Ça peut vous paraître long, laborieux et chiant, ben, je vous confirme en fait. C'est vraiment long, laborieux et chiant, mais il faut le faire pour vraiment avoir des zones distinctes. Sur ces pièces-là, de toute façon, vous savez, il n'y
n'y a pas un milliard de choses à faire, étant donné que c'est du blanc, il faut vraiment pas hésiter à rehausser, rehausser, rehausser. En continu et parfois aussi, comme vous voyez là, écraser, écraser, écraser certaines zones pour bien, bien les distinguer. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, les gars, j'essaie d'y répondre du mieux que je peux. Donc là, on est déjà, mine de rien, ça fait déjà une bonne heure qu'on peint, donc j'espère que ça vous plaît ce que vous voyez. À côté, ils ont l'air d'être encore en train de jouer, je pense. De jouer à DC Comics ou à Eden, ou à, je ne sais pas quoi. Tant mieux, tant mieux. Je n'hésite pas, comme vous le voyez là, à faire un deuxième passage de part et d'autre. Hein. Donc là, j'hésite pas, hein, comme je disais, à vraiment distinguer certaines zones, dont celle-ci, avec un bon bon coup d'encre. Je pense avoir trop dilué les encres sur mon premier passage. J'étais un peu timide. Mais mieux vaut être un peu timide au début et bien, bien marqué ensuite, plutôt que l'inverse, puisque bon, c'est toujours plus facile à ajouter qu'à enlever. Hein. Alors, Alan Dill qui dit compresseur sans cuve, pas fan, il tourne tout le temps. Et se fatiguera plus vite, risque d'eau dans la projection. Je suis assez d'accord avec toi, je préfère largement un bon vieux compresseur à cuve. On a des petits kits qui tournent bien sur le site, donc n'hésitez surtout pas. Sur le site Happy Games Factory, ben, c'est exactement le matériel que j'utilise en compresseur, en cuve, en poussi, tout ça. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Là, je suis passé un peu partout. Alors, il y a le dessus aussi qu'il faudrait que je traite. Là, je ne sais pas quoi faire. Je vais peut-être dissocier cette zone-là. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais... On a tout le contour, un petit peu de l'écoutille. Je vais essayer de faire tout le contour de l'écoutille sans abîmer l'écoutille. Alors, Marc, aurons-nous des conseils d'utilisation sur les encres et les glaces ? S'il te plaît, Mourande. Bah oui, je pense qu'on est parti pour, parce que justement, comme je disais, je vais m'équiper demain. Je vais essayer de voir. De toute façon, pour le livre, je vais sortir quand même pas mal de ma zone de confort pour proposer une vision assez large de la chose. Parce que, bah, en gros, voilà, ce ne sera pas uniquement une façon de peindre. Là où on en est, comme certains le disent si bien, mon objectif, c'est d'avoir quelque chose qui s'apparente un peu à une référence. Un peu comme l'a été le grand livre de la figurine, et comme je le dis, en plus accessible, parce que j'ai toujours trouvé ce livre mort, vraiment super bien, mais en fait des fois un petit peu trop complexe, je trouve, à comprendre dès les premiers abords. Donc on va essayer de faire quelque chose de très progressif, que tout le monde puisse y trouver son compte et se faire un maximum plaisir. Donc là, je reviens un petit peu enlever l'excédent. Et je vais encore revenir. Donc pour ceux qui seraient tentés, n'hésitez pas à aller faire un saut sur Ulule. Donc le livre s'appelle L'art de la miniature et ça fait bien plaisir parce que vous êtes déjà bien nombreux à me soutenir. Encore merci à tous. Merci à tous. C'est pas fini. Hein. Encore 9 jours, je crois. Je vais regarder. Je crois qu'on en est arrivé à. Donc là, il reste 9 jours. Il reste 9 jours et on est déjà. Mine de rien, on est déjà à 78 667 euros de récolté. C'est juste énorme. Merci encore à tout le monde. Parce que c'est grâce à vous qu'on en est là. Et vivement Maillard, du coup, qui nous rejoint pour les 80 000. Pour nous faire un article à la fraîche. Et ça, ça va être vraiment cool. Donc là, j'hésite pas. Hein. J'encre quand même pas mal.
Donc là, je vais commencer à laisser sécher en fait mes zones un peu plus sombres et je vais simplement revenir un petit peu au blanc pour rehausser certaines zones vraiment avec un blanc pur et très très marqué. Je ne vais pas hésiter aussi à commencer à prendre un marron un peu sombre pour faire un petit peu mes zones potentiellement des raflures et tout ça. Donc je me tape toujours entre prendre l'ivoire ou prendre le blanc sur ce genre de méta. Le rabattre cette fois sur du blanc pur. Désolé de vous montrer mon dos, mais forcément, j'ai pas forcément pensé à prendre tous les points avec moi. Est-ce que au moins j'ai encore du blanc pur? Parce que ça, c'est une bonne question. J'utilise tellement que du noir que c'est bon, pas dit, je crois. On va peut-être attaquer à l'ivoire, les enfants. Parce qu'on change pas une équipe qui gagne. Allez, allons-y, à l'ivoire, au taquet. Ah, il y a aussi du blanc PA. Moi, je vais tester le blanc PA. Parce que ça fait du bien et ça change un petit peu. Donc, merci à tous ceux qui sont là. Merci à tous ceux qui nous rejoignent. Et bienvenue, du coup, pour cette peinture de cette belle petite figurine de TRTT qui envoie la Ganzu. Donc, la pièce est assez massive, mais... comme vous avez pu le voir au début, au final, à l'aéro, ça va quand même assez vite. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment venir rehausser, comme vous le voyez là, bien mes arêtes au blanc. Donc là, on a un blanc vraiment super péchu, donc c'est nickel chrome. Et on va vraiment rehausser toutes les arêtes pour avoir quelque chose qui claque bien, tout en préservant les zones d'ombre juste à côté. J'espère que vous voyez bien, mais globalement, ça va vraiment faire ressortir encore plus l'aspect blanc. Et c'est vraiment ce qu'on va chercher. Je n'hésite pas parce que pour ça, le blanc P3 est vraiment assez pétant et va être bien pratique parce qu'il est bien épais. Donc pour rehausser les arêtes, il n'y a pas mieux. Vous voyez là, on est déjà sur des étapes quand même bien avancées alors que ça fait à peine une heure qu'on est dessus. Mais l'aéro... aide énormément sur ce genre de grandes pièces. J'aurais aussi pu vous montrer du full pinceau, ça aurait été possible, mais ça aurait été du coup, vu la taille de la pièce, beaucoup beaucoup plus long. Et là, c'est vrai que bon, bien sûr, je rehausse et puis je vais pas hésiter, hein, je vais devoir vraiment rehausser toutes les arêtes. C'est la partie très longue, très laborieuse, mais très nécessaire pour avoir vraiment le rendu escompté. Donc n'hésitez pas sur la campagne Ulule à en parler un petit peu à vos potes, à vos amis, à tous ceux qui sont chauds patates. Pour se mettre à la peinture, ça fait super, ça fera super plaisir. Donc là, je recrée un petit peu mes transitions, même si ça se voit pas forcément à l'œil. Toujours bienvenue. Donc là, je rehausse, comme je dis tout le temps, toutes les arêtes. Je fais bien attention. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de très blanc, hein, de base, et on n'hésite pas à continuer dans ce sens-là. Donc là, par exemple, ici, je ne vais vraiment pas hésiter à rehausser bien
bien l'arrête. Derrière, à pousser mon blanc sur la partie haute. Ça pète un maximum. Donc je continue comme ça, doucement mais sûrement, et je rehausse vraiment toutes les zones de blanc. Donc là c'est la partie chiante et répétitive, hein. Comme il peut y en avoir souvent aussi en peinture, ça arrive, hein. Malheureusement. Mais c'est ce qui va faire la diff à la fin de la peinture. Alors, pour s'amuser un petit peu, ce qu'on peut faire aussi, ça va être un petit peu revenir. Donc, je suis revenu là sur les arêtes, mais on va pouvoir aussi s'amuser à revenir pour mettre un petit peu d'éclat à droite, à gauche. Donc là, vraiment, j'hésite pas. Donc j'ai regardé un peu les questions. Donc il y a Sfar qui dit: Mourant, tu parles souvent d'Eden, mais qu'en est-il de Drakeris? Le jeu a-t-il un bon public? Peux-tu nous parler des éventuelles évolutions du jeu? Alors Drakeris, on a repris du coup avec Happy Games Factory le flambeau un peu, puisqu'on propose tous les mois une sortie. Et Drakeris, c'est vraiment un jeu qu'on a développé avec Pierre Johan et Nicolas Raoult à la base, pour compenser finalement notre frustration vis-à-vis de Warhammer Battle. Et c'est vrai que j'ai voulu me remettre à Battle et tout de suite ça a été un stop direct parce que les armées ne ressemblaient plus à rien. On se retrouvait avec des pavés. À l'époque, c'était avant qu'ils détruisent finalement l'univers de Warhammer tel qu'il était pour le remplacer par Age of Sigma. Et ça ressemblait vraiment plus à rien et je m'y retrouvais pas. Et à partir de là, j'ai commencé à développer Drakeris et du coup, je suis super content parce que c'est un jeu d'armée, mais où on va pouvoir finalement jouer en alterné les unités en faisant en fait des séries d'actions plus ou moins héroïques. Et je suis super fier de ce qu'on a réussi à faire parce que même si malheureusement on a livré en retard le KS et tout ça, on a vraiment un jeu qui est d'une part très bon, qui est extrêmement rejouable et qui a une profondeur de jeu qui est juste énorme. Donc c'est vrai qu'il a souffert en fait d'un manque de sortie pendant un an après le KS, puisque c'était pas Happy Games Factory qui avait la distribution. Mais là, étant donné qu'on a repris la main dessus, nous on a tout de suite mis en place un système de nouveautés mensuelles comme on le fait sur Eden. Et le jeu reprend un peu du poil de la bête. C'est pas de la folie furieuse, mais ça reprend du poil de la bête et on prévoit des sorties mensuelles. Donc là par exemple, le mois dernier sont sortis les élémentaires masculins. Et il faut savoir qu'en gros les élémentaires féminins, les élémentaires c'est vraiment un point clé de l'univers de Drakeris, puisque toutes les armées peuvent les invoquer et ils ont un effet, ils sont alignés en fait ensuite dans sa propre armée. Il faut savoir que quand on les invoque en cours de partie, les élémentaires masques féminins donnaient un bonus à toutes les unités alliées à 20 cm. Les nouveaux élémentaires sont des élémentaires masculins qui mettent des malus à toutes les unités adverses. Donc c'est assez intéressant, ça change, ça bouge. Et normalement, un tournoi est prévu sur Paris, dans l'association de championnés, aux alentours du 11 mars, si je dis pas de conneries. Et normalement demain soir on devrait faire une partie d'ailleurs pendant le live normalement qui opposera Ahmed à Gabriel. Donc le live de demain soir normalement ce sera du Drakeris sur la chaîne Happy Games Factory. Donc j'espère que je vous y verrai aussi présent pour nous suivre. Voilà pour ce qui est de Drakeris. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions sur Drakeris. C'est un régal de parler de ce jeu, mais c'est vrai qu'on a souffert malheureusement d'une mauvaise pub sur le retard du KS. Et aujourd'hui, ça m'ennuie,
mais on reprend du poil de la bête petit à petit sur ce beau petit jeu. Donc voilà pour le bestio, j'avance petit à petit. En fait, c'est déjà Cthulhu. Il y a Twix qui dit « Salut moi, j'ai pledge pour avoir la chance de posséder une figurine peinte par toi. Dis-moi, ce sera une figurine de ton choix. » Alors oui, ce qui va se passer, c'est que il va y avoir beaucoup, beaucoup de figurines qui vont être peintes dans ce livre. Et en fait, parmi ces figurines, vous aurez la chance d'en recevoir une qui fera partie à la base du livre. Donc toutes les offres aux alentours de 100 euros, c'est des petites figurines. Donc entre autres choses, ça peut être par exemple un des gobelins, le Cthulhu et tout ça. Et toutes les offres au-dessus, à 200 euros, les offres à 200, je crois qu'il en reste encore quelques-unes d'ailleurs. Toutes ces offres-là, ce sera des plus grandes pièces qui tourneront aux alentours du 54 mm. Alors, quand on dit 54 mm, par exemple, ça peut très bien être un Demi-O, ça peut être une très grande pièce dans l'univers d'Eden qui est assez, qui sont la plupart du temps très grandes. Hein. Donc voilà, ça peut être une de ces pièces-là. Et voilà, comme ça, vous avez une référence chez vous directement. Et ça, ça fait plaisir. Ces offres, en fait, elles ont été un peu créées parce que c'est des choses qu'on me demande régulièrement. Et donc, l'idée, c'était un peu de pouvoir le proposer à tout le monde. Donc, il y avait un certain nombre d'offres à 100 qui sont toutes très vite parties. Et il en reste encore à 200 pour des figurines un peu plus grandes. Voilà. Après, selon le nombre d'offres et le nombre de figurines, je pense que je reprendrai tout simplement la liste dans l'ordre des personnes qui ont pris les offres. Pour essayer de leur proposer qu'elles fassent un choix dans l'ordre de la liste des souscripteurs. Mais on va peut-être faire plus simple aussi, puisque j'ai peur de bloquer certains souscripteurs à cause de réponses un peu tardives, vous voyez l'idée. Donc tout ça c'est en cours de réflexion, mais on reviendra sur le détail plus tard au fur et à mesure du déroulé de la campagne. Le livre sera livré en septembre, donc ça nous laisse le temps de tout finir. De vous soumettre ça. Alors, il y a Marc qui dit « Mohand carbure à l'amour de la peinture. GG Mohand. » Merci Marc. Guldur, ça va faire fin de semaine chargée entre le live du jeudi, la vidéo avec Maillard, les sorties news à annoncer. Et oui, Guldur, ça va être super chargé. Il y a Christophe qui dit « Comment ne pas être submergé par la peinture des figues? Comment gérer tout cela? As-tu des astuces ?» Alors, pour être... pas se faire submerger, tout simplement le tout c'est de se fixer des credos et de s'y tenir. Par exemple, ça sert à rien de se demander un niveau de fou et de se faire des nœuds au cerveau pour peindre, je prends ça comme exemple, mais ça peut être autre chose, hein. Un milliard de zombies à zombicide, ça sert à rien de se tirer la bourre parce que de toute façon vous allez en avoir 100 à peindre. Alors autant appliquer des méthodes de fouinard et des méthodes de peinture rapide. Après, tout dépend vraiment de la qualité du rendu de là où tu prends le plus de plaisir. Si jamais finalement ça te fait plaisir de prendre énormément de temps sur chaque zombie, bah, grand bien te fasse et prends le temps. En plus, tu auras pas mal de temps pour justement prendre plaisir à peindre tous ces zombies. Mais si tu veux aller vite, il suffit de se mettre des créneaux, trouver un petit peu un zombie type, une façon de le peindre rapidement, et qui correspond un petit peu à tes attentes, et puis rouler jeunesse en fait. Je pense qu'il faut surtout faire attention à ne pas se mettre la barrière trop haute, parce que ça ne sert à rien et c'est juste démotivant. Donc il faut trouver le bon créneau, ni trop long ni trop court, pour se faire plaisir et avoir un résultat qui satisfait. Il ne faut pas oublier que la figurine, en gros, le plus grand plaisir, ça reste quand même quand on l'a fini. Ça donne un sentiment de satisfaction qui est quand même assez ouf. Et pour moi, c'est principalement sur ça qu'il faut tabler. Guldur, perso, j'ai pas de lumière potable. Du coup, j'attends que le soleil se pointe pour peindre. Alors, pour avoir une bonne lumière, nous, là, sur le site, on en a deux différentes. On a une petite lumière à 25 euros qui part très bien, qui est une super lumière d'appoint pour les gens qui n'ont pas de station de peinture fixe. Qui vont peindre un petit peu de temps en temps, qui se recharge avec un port USB, donc non, vraiment quelque chose de très très pratique. Et on a celle que je conseille le plus, c'est celle que j'utilise tout simplement,
qui est au-dessus de ma tête là actuellement et qui en fait fournit une super lumière. Et celle-ci, elle est un peu chère sur le site, mais par contre, en fait, c'est pour quand on a une zone et une station de peinture fixe, c'est juste idéal. Là, j'hésite pas, voilà, comme je le disais, hein, je rehausse vraiment toutes les arêtes au blanc pour vraiment faire comprendre que c'est un beau petit méca tout blanc. Tout blanc, tout blanc. Donc ça, c'est vrai que c'est long, mais au final, j'ai pas l'impression qu'on va avoir à en peindre un milliard de ces bestioles. Donc ça va. Il y a Olivier Klein qui dit toujours la tête penchée en avant pour peindre, pas trop mal au cervical. Non, parce que normalement, je ne suis pas dans cette position. Il faut savoir que j'ai un atelier derrière moi bien mieux fichu, qui est bien plus agréable. Après, c'est vrai qu'en ce moment, je suis en train d'essayer de trouver des solutions pour vraiment être encore mieux installé, pour éviter d'avoir mal au cou ou partout ailleurs, quoi. Je continue à chercher l'option la plus la meilleure qui soit en termes de fauteuil confortable. Et voilà, je pense que je me ferai plaisir justement avec l'argent des Patreons, parce que au final j'ai des soutiens de Patreon mensuels qui me permettent aussi d'augmenter mon confort. Et je pense qu'à un moment donné, ça va me servir à m'acheter tout simplement une nouvelle chaise plus confortable. Donc là, je vais revenir cette fois avec un espèce de marron sombre que je vais encore plus assombrir s'il faut, d'ailleurs avec du noir, parce que je ne trouve pas assez sombre encore. Si je trouve du noir, je ne trouve que du bleu marine, donc je vais tester avec du bleu marine foncé. Oh mince, mon pot il est complètement déglingué. Donc je vais essayer de faire un set de peinture correct pour venir avec les offres que vous avez prises, et je vais essayer de voir en fait ce que je peux vous fournir. Donc là, je mélange mes deux peintures pour avoir quelque chose de très sombre qui va me permettre en fait de venir faire des espèces de déraflures, tout simplement. C'est vrai que normalement, ce genre de méca là, j'ai l'impression que dans les films, c'est plutôt assez propre. J'ai l'impression que c'est ou immaculé ou déglingué au sol. Mais ouais, je vais faire ça à ma manière. Donc, je vais pas hésiter à érafler un peu tout ça. À gauche, forcément, normalement les angles ont tendance à prendre plus, ce qui paraît tout à fait logique. Après, c'est pas tout de faire ces petites éraflures, donc ils peuvent être faits aussi et plus rapidement, mais avec une moins bonne maîtrise à la mousse de blister. Et c'est pas tout de faire ça, ensuite il faudra revenir rehausser. Donc j'essaye de pas trop en mettre non plus pour éviter de passer 2 heures à rehausser tous les petits jetards et tous les petits éclats que je viens poser. J'hésite pas à en mettre un peu partout. Je vais regarder un peu si je suis pas trop désaxé au niveau de ma. Je vais même peut-être pouvoir un petit peu zoomer en espérant que ça ne perdit pas trop de. Donc là, en gros. Là, c'est vraiment les premiers éclats comme cela, et ensuite alors les petites questions. As-tu fait une partie de Star Wars Légion, et si oui, as-tu aimé? Merci Christophe de poser la question. Alors pour le moment, pas de session faite, simplement parce que je déteste jouer non peint, et j'ai pas eu le temps à Cannes d'aller tester sur le stand, donc non, pas encore,
Mais je suis assez confiant sur le système. Là où en fait tout le monde est assez perplexe, c'est sur l'équilibrage qui aura lieu au fur et à mesure. Parce que c'est vrai que FFG, ils ont une forte tendance à avoir des jeux pas forcément très équilibrés sur du long terme. Mais j'ai l'impression que c'est un peu le lot de toutes les gammes de ce type-là. Parce qu'au final, plus ça grossit, plus pour appâter le chaland, ils vont faire des profils Uber cheatés pour continuer à vendre un maximum. Donc voilà, c'est que mon avis, hein. Ça n'engage que moi, mais c'est vrai que c'est globalement les retours que j'ai. Donc moi, ce qui est sûr, c'est que de toute façon, je les teste et que c'est bien parti pour me plaire en termes de mécanique, de façon de jouer. C'est de l'activation alternée, donc là-dessus je suis très content parce que ça fait partie des choses dont je suis extrêmement fan. La preuve en est, tous les systèmes qu'on a développés avec Happy Games Factory, c'est tout le temps de l'activation alternée, donc forcément c'est quelque chose qui me plaît énormément puisque on n'attend pas que l'autre joue pour pouvoir un petit peu jouer à son tour, on est un petit peu en alterné, donc ça c'est chouette. Et puis voilà, tranquillement mais sûrement. Donc n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, je serais ravi d'y répondre. Tout en peignant évidemment, parce que je suis aussi très ravi de peindre. C'est vrai qu'après, sur un live, c'est toujours délicat de peindre, mais pour le moment, je m'en sors pas mal, je dirais. Donc là, comme je disais, hein, je fais plein d'impacts, mais mine de rien, ces impacts derrière, il va falloir tous les rehausser de blanc. Et ça, je peux vous dire que c'est carrément plus long après. C'est souvent le réhaut de blanc qui prend plus de temps, évidemment. 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 Quoi d'autre? Quoi d'autre? Alors, monte ta dilution, ça bouchera moins. Très bon, ça. Ouais, ça se conseille et tout dans le chat. Ça fait plaisir. Il y a Svar34 qui demande, Morhant, toujours sur Dracarys, le dragon se joue comment? Une personne seulement peut l'avoir ou chacun, ou on peut l'invoquer comme les élémentaires. Le dragon, tout le monde peut le jouer. Et en fait, il y a plusieurs profils. Il y a un profil pour chaque armée et en plus un profil typé un peu mercenaire que tout le monde peut jouer. Et il est assez bon. Faut juste se méfier d'une chose. C'est qu'en fait, il y a un sort qui permet du côté de l'Inquisition de prendre le contrôle d'un monstre. Donc faites attention à pas vous faire prendre le contrôle de votre dragon parce que sinon franchement vous allez couiner. Mais ça se fait, enfin, ça se contre assez facilement en gardant ses distances avec le magicien tout simplement en tuant rapidement le magicien adverse parce qu'on a toujours quand même de quoi kill le petit magicien qui fait chier en face. Donc voilà. Donc là, juste pour commencer à vous montrer un peu comment je rehausse ces petites éraflures, je vais commencer à m'en occuper parce que sinon j'aurais pas fini avant la fin du live. Après, c'est vrai que j'aime bien tout faire, donc ça me frustre un peu de m'arrêter en cours de chemin. Mais le problème, c'est que si je m'arrête pas là sur les petites éraflures, j'ai peur de ne pas vous montrer les réaux. Donc là, par exemple, en fait, vu que j'avais déjà des petits jetards, j'ai pas hésité au contraire à m'appuyer dessus. À m'appuyer dessus.
Là, ce qui est pas mal, c'est que ça habille quand même un peu la pièce, qui sinon aurait été un chouïa pauvre, je trouve. Du coup, là, avec ces petits éclats qui vont bien, on est sur quelque chose d'un peu plus sympa. Alors, quoi d'autre? Est-ce que vous avez d'autres questions, les enfants? Alors, vous êtes 100 à me suivre, ça fait super plaisir. Bienvenue à ceux qui débarquent. Christophe Chaudourel, qui est chaud comme la braise, qui pose plein de questions, ça fait plaisir. Comment as-tu débuté le hobby et la peinture et à quel âge? Moi, c'est vraiment sur le tard. Alors, il n'est jamais trop tard pour commencer de belles choses. Il faut savoir que moi, j'ai commencé le hobby très jeune. Puis, comme beaucoup, en fait, j'ai arrêté durant l'adolescence pour des raisons purement sexuelles, hein, parce que j'étais en rut, comme beaucoup. Et du coup, j'ai repris beaucoup plus tard pour un peu me décontracter, hein, pendant que j'étais en prépa, donc une espèce de prépa maths sup avec des sciences industrielles. Pour me changer les idées, du coup, j'ai peint. Et au final, je vous avoue que la prépa, elle est passée outre et au final, j'ai continué à peindre. Donc c'est très particulier mon cursus, mais ouais, j'avais commencé étant jeune, j'ai arrêté, puis un jour j'ai repris et je me suis dit pourquoi ne pas en faire mon métier? Parce que finalement, voilà quoi. Et puis en fait, après, à force d'acharnement, j'en ai fait mon métier et puis j'en suis très 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 content aujourd'hui. Et puis grâce à vous, bah voilà, la preuve en est qu'on peut vivre de sa passion et puis. C'est vrai que j'ai pas mal partagé. Et là, on m'a posé la question sur qu'est-ce qui pourrait potentiellement justifier la réussite de tout ça. Et moi, souvent, je pense qu'on réussit pas seul et que, contrairement à ce qu'on a l'impression très souvent, il faut avoir la chance déjà d'être bien entouré. Et ensuite, il faut avoir la chance de pouvoir partager une passion qui est très forte. Comme celle de la figurine, avec des gens qui sont géniaux et qui sont OK pour soutenir comme vous tous. Donc, en gros, moi, ça fait quand même un bail que je parcours les salons, ça fait un bail que je bouge et que j'essaye de partager un petit peu cette passion. Et je pense qu'en gros, ça fait la grosse différence. Alors. Il y a Dorilman qui dit salut Mohand, des impacts que tu les rehausses par le haut, par le bas. Toujours par le bas, parce qu'en fait on va simuler le fait que qu'en gros ce soit une lumière zénithale. Donc il faut vraiment venir en dessous comme cela et hop, rehausser vraiment la zone d'en dessous. Pour donner cette sensation d'impact, c'est vraiment l'idéal. Alors cette figurine fera partie de la première vague normalement. De Star Farce, je sais pas ce qu'elle vaut en jeu, mais à mon avis, elle fait mal vu le gabarit du bestiau et tout ci, tout ça. Ça va pas être une mince affaire pour les rebelles. Donc là, je suis un peu épais sur mes réos, malheureusement, là, j'ai du mal à faire autrement. Vu la position un peu merdique que j'ai vis-à-vis de la caméra, je suis même pas sûr que vous voyez bien en fait. Donc vraiment l'intérêt ça va être de rehausser avec le point le plus fin qu'on puisse avoir. Pour ce faire, je vais pas hésiter à vraiment faire en sorte que ma pointe soit légèrement biseautée. Vraiment réussir à aller chercher en dessous avec des points de lumière. Donc n'hésitez pas pour ceux qui peuvent à aller soutenir sur Ulule, sur Patreon. Ça fait toujours super plaisir. Moi, ça me permet en fait, là, ben, le Ulule va me permettre de vous fournir un livre hyper qualitatif au vu de tous les déblocages en cours. Et ça fait extrêmement plaisir. Après,
pour la finesse, on repassera, mais c'est vrai que c'est. Là, en ce moment, c'est pas évident. Vu la taille du bestiau. Alors, on est à 104 personnes qui suivent ce live, ça fait super plaisir. Ah ouais, d'accord. Okay. Il y a Marc qui me précise qu'en gros, dans le jeu, la figurine a un blindage arrière assez fragile. Et du coup, théoriquement, dans le jeu, on devra aller la fraguer par derrière, tout simplement. Et en théorie, ça explique pourquoi, en fait, aussi les troufions ont une meilleure mobilité que les véhicules dans le jeu. Ce qui est pas mal, en fait, pour représenter la mobilité des troupes, tout simplement. Donc là, hop, Jureos, toujours par le dessous. Toujours sur le même principe, hop, je me gratte l'oreille, ça arrive aussi. Donc là, j'aurais peut-être pu, du coup, pour représenter ça, faire tout l'arrière un petit peu plus en métallique, en gris un peu plus sombre comme ça. Ça aurait pu le faire. Donc là, j'hésite pas à bien rehausser. Comme je disais, hein, toutes les éraflures, de sorte à ce que toutes ces éraflures soient bien visibles. Donc pour le moment, j'espère que ça vous plaît. Moi, je vais pas trop tarder, je pense. Pour moi, le résultat sur du tabletop sera assez probant. De toute façon, il faut s'avouer une chose, c'est que ça va aller sur le terrain de jeu. Et moi, j'aime bien quand ça pète. Et quand c'est quand même assez rapide à faire, parce que je pense que je vais en avoir une tétrachée de toutes ces figurines à peindre, ça va être quelque chose de bien ouf. Par contre, après, rien n'empêche de bien rehausser, bien les arêtes. Ouais, normalement, cette arête là, elle doit quand même bien prendre pas mal de shtar, simplement parce qu'elle est bien ronde, et c'est bien connu que les arêtes rondes prennent encore plus. Deux petits coups. Donc là, je vais adoucir un petit peu ma transition. Hop. Le blanc P3 est vraiment très bien. Je pense que par contre, il doit vieillir assez mal dans le pot parce que, bah, au final, la peinture elle est très épaisse. Et par contre, pour rehausser, on n'a pas à trop se prendre la tête. C'est vraiment un régal. Ça, c'est vraiment pas mal. Donc, je rehausse aussi mes zones de gris un peu plus sombres. Donner un petit effet limite non métallique qui ira bien sur ces parties là. Bim bam boum, la série OC, la série OC, là ça va être un peu de réo. Là aussi, là, je vais pas réciter aussi à rehausser. Quoi d'autre? Non, c'est tout. Voilà pour cette pièce. Donc là, elle a bien avancé déjà. Je pense qu'à un moment donné, je vais peut-être aussi tout simplement rehausser un petit peu les arêtes des guns. Juste vraiment pour avoir une sensation de un genre de non métallique qui fonctionnera correctement. Voilà pour le bestiau. Hop là.
J'espère que ça vous plaît, les amis. Donc, cette figurine est figée dans cette position. Tu penses qu'on pourrait la modifier? Ben, je pense qu'on pourrait la modifier. Peut-être même que ce que je ferais, si j'en ai une seconde, ben, c'est la modifier. De sorte justement à ne pas en avoir deux dans la même position. Mais là, vous voyez, c'est pas déconnant. On n'est pas. Donc on n'est pas sur du blanc, 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 quoi. Mais en fait, on a des petites nuances qui fonctionnent assez bien. Et au final, on a une pièce qui va en imposer sur la table à côté des Stormtroopers. Je pense que quand même, en fait, la pièce, l'ensemble de la pièce est vraiment toute désarticulée. Le seul truc qui peut poser problème, c'est le fait que le pied soit bas, que plat, pardon. Mais je pense qu'en fait, on peut quand même faire en sorte qu'il y ait un pied levé et qu'il soit un petit peu en position de, un peu mobile, je dirais. Donc, je pense que c'est faisable. Donc, on peut un peu bouger la tête. Ça, c'est simplement parce que j'ai pas vissé cette zone-là. D'ailleurs, je pourrais faire le dessous assez facilement. Mais à part ça, je pense que, ouais, si, il va y avoir quand même des modifs. Donc là, je pense que ce que je ferai un petit peu au calme, ça va être de m'occuper un peu de toutes les zones un peu sombres pour rehausser un peu au blanc pour faire un nom métallique sympathique. Mais globalement, je pense que je vais m'arrêter là sur la pièce qui ira super bien, je pense, avec les Stormtroopers et le Dark Vador. Stormtrooper ressemble à ça pour vous donner une idée de la taille. Je pense que je vais tout simplement, donc j'ai trouvé du sable déjà teinté en fait, et je pense que je vais tous un peu les socler dans cette optique-là, et bah, ça vous donne une idée de la taille du bestiau quand même, qui fait pas semblant, quoi. Qui est bien 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 massif. Donc vous voyez, vous avez Dark Vador à côté. Donc Dark Vador, le tutoriel est déjà dispo. Sur le site, donc sur YouTube, donc vous pouvez facilement y avoir accès. N'hésitez pas à le partager, ça me fera super plaisir. Donc n'hésitez pas à partager la campagne Ulule aussi. Merci encore à tous d'avoir été présents. Je vais rester encore quelques minutes. Oui, petit Seb qui demande si mon pinceau c'est du Raphaël 8404. Oui, c'est du Raphaël 8404. J'utilise énormément cette référence parce que je la trouve clairement, clairement au-dessus du lot. Maintenant, il y a aussi les Winston et Newton qui fonctionnent très bien. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous plaît bien. De toute façon, ce que je vais faire, c'est que je ferai un petit turnover de la figurine une fois fini que je vous partagerai sur mon Facebook, je pense. Et surtout, n'hésitez pas. Donc, Matt Staling qui dit moins de 4 pages sur peindre façon blanchitsu pour un palier stoppé. J'aimerais beaucoup Matt Staling, mais c'est vrai que comme blanchitsu, c'est très particulier. C'est un aspect très brut, mais j'essaierai. Franchement, j'essaierai. Petit 7. Dans les Winston, tu prends du série 7. Oui, c'est ça, du série 7. Normalement, en plus, on en a à vendre. Et du coup, faut que je repasse dessus. Sebash, merci de me rendre pour ce live. Ben, merci à vous d'avoir été présent. Mine de rien, on est 100 personnes quasiment sur ce live à chaque fois. Ça me fait vraiment très chaud au cœur parce que ben, c'est avec vous que j'ai envie de partager ça et vous êtes présent au rendez-vous. Donc forcément, ça ne peut que me faire super plaisir. Il y a Marc Sobaga qui dit oui, le tuto Dark Vador est super. Merci Marc, ça fait plaisir. Vous allez faire un article sur l'entretien du matos aéro pinceau. Ben, pourquoi pas, je pense que va y avoir toute une partie sur le matériel de toute façon. Et l'entretien, c'est un point clé vis-à-vis du matériel. Donc je pense qu'on passera là-dessus. Dommage que l'image soit granuleuse, mais tes vidéos font toujours plaisir. Promis. Donc c'est Hakim qui dit ça. Promis, je vais me démerder pour améliorer ça, de sorte à ce que les vidéos soient encore plus clean. Mais je vous avoue ne pas comprendre vraiment pourquoi c'est granuleux. Donc voilà, moi ça s'affiche bien, mais il doit y avoir des paramètres que je dois pouvoir améliorer pour rendre le tout moins granuleux. Donc il y a Thierry Haït qui dit ça tombe bien, je viens de finir mon fange-jeu. Ben, ça fait plaisir, surtout que tu as un sacré niveau, donc ça doit bien, bien, bien claquer. Il y a Pod Lob qui dit à vendre sur quel site? Alors normalement des Winston et on devrait en avoir sur le site Happy Games Factory.
on n'a pas pris le temps de les mettre en ligne, ça va venir. Alors, il n'y a pas Zergy qui dit tu vas vernir cette grosse figue pour le jeu. Possible, je vernis pas forcément toutes mes figues, mais il faut que je vois si j'ai le courage de vernir celle-ci. Quand je vernis avec tout simplement du Talence, du vernis de Talence pour tableau, et c'est vrai que ça marche très bien. Donc à voir si je prends le temps de bien vernir tout ça. Alors là, je vais rehausser de nouveau. Enfin, je me rends compte qu'il y a des zones que j'ai pas zappées de rehausser. En tout cas, merci à tous ce soir d'avoir été là avec moi. Ça fait super plaisir. Ça fait chaud au cœur d'être aussi nombreux. Et puis, je vous dis très vite pour plus de peinture. Je remercie encore tous mes soutiens sur Ulule, tous mes soutiens sur Patreon. Et je vous dis à bientôt, les amis.